Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler vite fait un petit peu de cette fin de championnat de France pour nous sur le Rainbow Six Siege, la fin de notre première expérience compétitive sur le jeu et le début d'une nouvelle. Ça y est, c'est terminé, on s'est fait éliminer hier en quart de finale loser bracket sur le championnat de France, mais je trouve ça extraordinaire que d'être arrivé ici pour une première expérience sur R6. Pour trois de nos camarades de la line-up, pour Zedius, Sub et KS, c'était leur première compétition, donc forcément mauvaise gestion du stress, un petit peu beaucoup de peur aussi au début, jusqu'au dernier match, énormément de peur, ça caca culotte, nous c'est comme ça qu'on l'appelle, et ça nous empêche un petit peu de nous exprimer réellement sur ce genre de cartes. Comme je suis un petit peu tout seul à m'occuper de l'équipe, comme je suis le manager, le coach, le leader, je m'occupe du recrutement, j'organise les scrims, etc. machin et tout, j'ai pas eu le temps de peaufiner les stratégies sur toutes les cartes. Et hier, alors on sait pas ce qui s'est passé, peut-être qu'ils nous ont stalkés, je ne sais pas. Ils nous ont ban Café Dostoyevski et Consulat, ça fait partie des maps qu'on a le plus bossé. Et du coup, on s'est retrouvé sur un pic qui était pas forcément avantageux pour nous, puisque nous n'avions pas bien travaillé. On s'est retrouvé sur Border, on s'est retrouvé sur des cartes genre Oregon, ou comment dire, on pensait pas trop se taper dessus, donc on n'a pas trop travaillé, c'était un peu catastrophique, mais on a fait énormément de belles choses, on a rencontré des grosses équipes, on a rencontré les Millennium, les MVW, donc l'équipe à One Shooter, d'ailleurs je salue, et je ne pensais pas qu'elle était aussi sérieuse et structurée que ça, dans le sens où manager, coach et compagnie, waouh! Wow, ici à l'ATI, manager, coach, tout ça, c'est moi quoi. Et encore, quand je pousse un peu trop, on me dit « Wait, là t'es pas sympa avec nous ». Donc voilà, c'est pas le même délire encore pour l'instant. Mais on a pris conscience aussi qu'on pouvait y arriver, on a mis des rounds assez intéressants. On a pris des parties, on a gagné des parties, on a gagné des manches qui étaient assez intéressantes. Et je veux dire, hier, même si on a senti la différence de niveau de teamplay, encore une fois, entre les SEA Games et nous, on a réussi à prendre une map complète sur Border alors qu'on la maîtrisait pas. On la maîtrise pas et j'ai vraiment fait des stratégies à l'arrache sur cette frontière suite au match contre les MVW où je me suis dit non, c'est inadmissible de se faire rect comme ça. Il faut quand même qu'on ait une petite base de travail. Donc entre deux matchs, on a quand même bien bossé sur Border et c'est Border qui a été pick. Comme je vous ai dit que je serai toujours honnête avec vous, que je vous dirai un petit peu ce qui se passe, etc. machin et tout, pour les gens qui sont intéressés, qui sont demandeurs, qui veulent faire de la compétition et tout, et ben c'est très compliqué. La compétition sur R6, c'est très compliqué, et je me suis rendu compte que c'était différent d'autres jeux, parce que je suis, comme je l'avais déjà dit, je suis un ancien compétiteur sur CSGO, sur GRP, donc vous me direz, j'ai jamais été champion du monde ou quoi que ce soit, mais bon, voilà, j'ai quand même une expérience compétitive assez significative, et je me suis rendu compte que sur R6, c'était quand même bien différent de sur CS, par exemple, ou même si tu es un bon joueur solo, parce qu'en ranked je fais des trucs assez sympathiques, dans les scrims je fais des trucs assez sympathiques en solo, et ben là je me suis rendu compte que je pouvais pas m'exprimer comme je m'exprimais d'habitude dans les casu game, parce que la ranked et tout ça c'est du casu hein. Dans le casu game, parce que, comment dire, les mecs sont préparés, ils sont entraînés, ils sont tout le temps deux, il y a tout le temps du monde pour revenge, l'arrière il est couvert par des clés mortes, tu peux pas passer, tu... Alors, j'ai fait des trucs intéressants tout seul, j'ai sauvé des rounds tout seul, j'ai réussi à clutch tout seul, mais c'est largement pas la majorité des cas, et on s'est vraiment rendu compte qu'il faut vraiment qu'on axe tout sur le team play. Sauf que pour ça, va falloir que les autres gèrent un petit peu mieux la pression, donc pour ça, je vais leur préparer quelques scrims, quelques entraînements, je vais peut-être streamer, mais c'est pas sûr encore, parce que j'ai peur que si je stream, ça me porte préjudice, qu'il y ait d'autres équipes qui fassent comme les Millennium, etc., qui viennent nous voir, parce que mine de rien, des vidéos disponibles, c'est des arguments pour les équipes en face, donc c'est très compliqué, voilà. Malgré tout, c'était une expérience fantastique, on a vu qu'on pouvait largement le faire, qu'il fallait qu'on bosse encore un petit peu, et c'est pour ça que je vais pousser l'équipe au maximum de son potentiel, pour voir jusqu'où on peut aller en visant pour l'instant les GoFor, et à la fin on visera la Pro League, parce que c'est vraiment un rêve que de partir en Pro League, et on est prêt à marcher sur n'importe qui pour le faire, et on va essayer, je vais essayer de vous faire une petite équipe qui n'a plus peur, histoire que la prochaine fois ce soit notre championnat de France ou ce soit notre compétition. Donc vous verrez au fur et à mesure, je vous publierai des highlights, je vous publierai des vidéos pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait, vers quoi on se dirige, etc. Et voilà. Vous inquiétez pas, je vais arrêter de parler, je vais vous mettre un petit best-of des actions d'hier pour vous montrer que voilà, on n'a pas fait n'importe quoi non plus, on s'est très bien défendu et il y a eu des actions très intéressantes. Juste une dernière chose avant de partir, je voulais remercier tous ceux qui étaient là pendant les matchs,
pour tous ceux qui nous ont suivis sur Twitter, Facebook, etc. Lors de cette Coupe de France, c'était extraordinaire que d'être suivi et encouragé. Et d'ailleurs, je pense que personnellement, ça a contribué à me faire pousser des ailes hier. C'est en partie grâce à vous que je dois mes actions de folie parce que j'avais le chat ouvert. Comme il y a 4 minutes de décalage sur le stream, il n'y a pas de stream Mac, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, le stream était en pause pour me soulager le plus de bande passante possible. Mais j'avais le chat qui défilait et vos messages d'encouragement étaient extraordinaires et ça m'a fait super plaisir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de vous le rendre. Les mecs, vous êtes extraordinaires et j'apprécie énormément ce que j'ai réussi à construire et la communauté que vous continuez à construire et à faire grossir. La Team Shark est une communauté extraordinaire. Même si on a 50 000 abonnés, on n'a rien à envier à personne. On vaut largement mieux que certaines chaînes YouTube où il n'y a que des cancers dans les commentaires. C'est fantastique et je vous jure qu'on vous rendra fiers. C'est à vous qu'on va donner notre prochaine victoire. Allez les gars, je vous souhaite un bon visionnage. C'était White et vous inquiétez pas, je remercie même ceux qui ne nous ont pas suivis, ceux qui nous encouragent aussi sur YouTube. Hein. C'est pareil pour tout le monde. Ciao tout le monde. Allez, attention, Zedu 5 est en train de surveiller. Ah, mais après, avec l'expérience, de toute façon, ça va tout le sang. Hein, les actions se ressemblent après au bout d'un moment sur R6. Et regarde, on est encore même en point entre Oral et Subrosar. Par contre, je comprends pas, c'est que Subrosar, il cherche vraiment là. Parce qu'il s'est fait avoir tout à l'heure, il continue à se placer là et ça va être compliqué. Ouais, par contre, là, ça peut être. Ouh, dommage, il a été droné. Et du coup, tout de suite le travers, et bah oui, forcément le travers qui allait arriver, c'était sûr. Et c'est intéressant côté Sega, mais attention parce qu'ils ont déjà eu des pertes aussi, ça c'est plutôt pas mal côté DTI. On a réussi la revanche et encore en éliminant encore plus de personnes, donc ça c'est intéressant. Allez, Aurel qui place sa clé mort pour pouvoir voir ses drones tranquillement sans être dérangé si besoin, voire même prendre la ligne ici. Ouais, attention à pas trop, c'est pas à eux, hein, c'est pas à Looping ni OTI d'ici de faire la décale, ils doivent attendre. Et du coup, Vaudry, ouais, qui va. Ah, Vaudry qui allait tenter. Ouais, c'est bon, Vaudry qui va effectivement y en profiter ici. Du coup, Zedius hein, qui se retrouve bloqué. Et attention, on a Oxama qui est pas trop loin. Et il décide de faire une rotation, et finalement, ils le sentent pas, j'ai l'impression, ils vont changer de stratégie. Ah, ils sont en train de changer totalement de stratégie là. Attention, la pression qui est mise. On essaye de débloquer la situation hein, par en dessous. Et effectivement, faut faire attention. Hein, c'est pas parce qu'ils ont pas réussi à mettre de round depuis tout à l'heure les TX qui sont totalement à mort. On a vu un Looping qui avait été très en forme. Attention là. Ouh, joli par contre ça. Joli cette double décale, Zedius qui a été mis à terre, mais clairement il a fait un kill, donc c'est bien, pour l'instant il garde l'avantage numérique. Et Vaudry ouais, qui cherche, oh il va tomber face à White Shark, et joli ça de la part de White Shark qui prend le kill. Allez, peut-être le début, côté TI ici, en tout cas c'est une très belle défense. Et attention, White Shark qui arrive, et White Shark qui surprend tel un requin ici. Parfait, il était partout, il arrive, il revient. Ah c'est juste parfait là pour l'instant de la part des TI là sur ce round là au moins en tout cas ça évitera le 5-0, ils ont sauvé l'honneur. Eh, le petit trou qui peut surprendre effectivement, je sais pas si Onax a l'information sur les trous. Oh parfait de la part de Subrosa ici le premier kill. Peut-être le deuxième sur Aurel. Ouais, en tout cas il a bien joué hein, parce que il s'est pas fait avoir. Et effectivement Onax qui a peut-être pas vu grand chose hein, qui a pas pu en profiter. KS1. Et encore une deuxième kill de Subrosa en plus, je viens de remarquer ici. Et il doit le voir, hein. On le voit un peu effectivement montrer le bout de son nez. C'est pas forcément facile et attention parce que du coup KS qui arrive. Et ouais forcément le deuxième kill, joli ça, le double kill ici de KS. Très bien joué de la part de la Team Insanity du coup qui égalise pour le moment sur cette deuxième map. Et ouais là il pouvait pas tout regarder, Montagne qui a totalement été surpris. Très bien joué ça de la part effectivement de la TI. Et ouais regardez hein, Stelenia qui est vraiment... en train de continuer sa couverture, pour l'instant ça temporise plutôt bien hein, au niveau de la défense. Et Looping justement, ça c'est intelligent de la part de Looping d'essayer de trouver une meilleure solution pour amener au maximum Stelania. C'est White Shark, j'ai l'impression qu'il va aller s'occuper de faire... Ouais, attention. Oh joli ça, parfait effectivement. Ça c'est très intelligent de la part des TI. Oh attention, peut-être le kill ici, joli le double kill de White Shark. C'est très intéressant ce que font les TI. Ils en font un appât ici, c'était Looping qui faisait l'appât. Et après, ouais là par contre il y a smoke de partout, ça va être difficile pour lui de s'insérer. Allez, puis la smoke bien sur le montagne en plus. Et là on les a bien fait reculer. Très bien joué, même si Aurel arrive à faire le kill sur Looping.
Il faudra qu'il fasse attention, et Onax du coup qui va pouvoir recharger. Et juste fait 9, ça lui fait plus de munitions. Et encore une autre chose qui est placée. Allez, Zedius qui élimine Vaudry en plus, ça devient très difficile. Ça devient extrêmement compliqué pour les Segam. Attention, Zedius au bout. Ouh, attention, ouais, joli de la part de Rook qui a fait un magnifique kill sur montagne. Il reste plus qu'Aurel du coup, Aurel. Ici, qui est en train de revenir. Mais ouais, le coup de la patte tout à l'heure, je m'en remets toujours pas. Allez, Aurel pour le premier kill. Et Aurel qui tombe, très bien joué, ça de la part des Team Insanity qui ont deux balles de map pour pouvoir égaliser. Ouais, Zedius qui limite directement Stellania là, clairement. Oh, puis White Shark en profite aussi. Ouais, là ça devient très compliqué hein, pour les Segam, ils sont absolument plus dans le coup là sur Frontière. Je pense qu'ils dans leur tête, hein, c'est perdu d'avance déjà sur Frontière. Ils sont déjà en train de penser à chaler. Mais là, ouais, regardez, ça tombe trop rapidement, hein, ils peuvent rien faire. Hein, même Valkyrie là, Aurel. Il va tenter ce qu'il peut, mais voilà, il est déjà mis sous pression. Les TI là qui sont survoltés, ça va faire plaisir aux TI qui avaient raté leurs deux maps face au My Virtual World. Et qui est là sur Fren. Allez, attention face à Zedius. C'est Zedius qui fait le kill rapidement. Là, c'est... Ils sont au-dessus là. Je pense que sur le test, ça doit y aller. Attention. Oh, puis là, ça passe pas en plus du côté de Vaudry. White Shark qui vient tout de suite. C'est intéressant ça. Allez, attention. Fusil à pompe. Où il arrive le drop shot ici qui fonctionne. Bien joué de la part de White Shark. Et Aurel qui tombe. Très bien joué de la part des TI. Les TI qui égalisent. Qui l'aurait cru, franchement? Après ce qu'on avait vu sur Oregon, qu'ils fassent une égalisation, mais là ils ont très bien joué en équipe. Là franchement, ils ont bien joué ensemble, ils ont été beaucoup plus agressifs, ce qu'on leur reprochait à Vert. Donc c'est nickel.